Bonjour, David Le Romain, un responsable recherche et développement pour la marque 1083. 1083, c'est une marque française qui est, qui est née à Romans-sur-Isère dans la Drôme en 2013 et qui fabrique des jeans et des baskets en France éco-conçus. 1083, c'est la distance à vol d'oiseau qui sépare les deux villes les plus éloignées de France, Menton dans le sud-est et Port un petit village dans la pointe de la Bretagne. Un jean, généralement, met 65 000 km avant d'arriver dans vos armoires et nous, nous vous offrons la garantie que peu importe où vous vous trouvez en France, tous vos articles ont été fabriqués à moins de 1083 km de chez vous. Un jean 1083, c'est 97% du prix de revient qui reste en France. Les 3% restants, notamment, correspondent aux coteaux biologiques que l'on importe. En effet, le coton ne pousse pas en France. Mais en France, nous avons du coton en quantité astronomique à travers les vieux vêtements que nous jetons chaque année. C'est pourquoi, depuis 3 ans, 1083 fait de la recherche et du développement sur le recyclage des jeans pour pouvoir vous proposer de nouveaux jeans à partir de vos anciens jeans. Après plusieurs années de développement, nous avons sollicité l'ADEME à travers le concours de l'innovation pour leur présenter le projet Mon Coton. Le projet Mon Coton, c'est un projet qui a pour but la mise en place d'une ligne de recyclage complète de jeans en France. Cette ligne permettra la fabrication d'un fil recyclé à partir uniquement des jeans, sans rajouter de matière neuve. L'ADEME nous a choisi pour ce projet et participera à hauteur de 900 000 euros sur le projet Mon Coton. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser le choix et l'acquisition des équipements qui vont nous permettre de démarrer notre ligne.